C'est OK, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Pokémon Ruby Omega. On va continuer le let's play qu'on s'était arrêté d'ailleurs. Du coup c'est parti. Voyez-vous la chaîne, pourquoi je suis comme ça? Bah c'est pour casser mon visage les gars. De toute façon je crois qu'on le verra même pas donc. Alors du coup on reprend notre petite aventure. On avait 0 badge et on était au bois Clémentine. Très bien, Clémentine. Alors du coup, fallait aller où? C'est un dresseur ça? Oui, parfait. On va essayer de combattre le plus pour gagner assez de niveau. Alors, je sais même plus ce qu'on a comme équipe. Du coup, vivoli, ça c'est. Ah, c'est pas très efficace, mais c'est pas grave. Voilà, pas important. Ok. Alors, que doit faire? On va écouter pareil. Hein. D'ailleurs, je passe ce petit moment. Pour vous dire de vous abonner, de liker, commenter, partager, vous connaissez. Et d'aller dans la description pour aller s'abonner à mon Instagram, mon Twitter et mon Twitch. Et tout le reste. Sur Twitch, on fait des lives quand même. Que vous ne pouvez peut-être pas voir sur YouTube. Qui sait. Petite rediffusion qui ne se passe pas sur YouTube. Donc ça serait dommage de louper tous ces lives. Donc voilà, allez vous abonner. Et rejoignez mon Discord. Ça c'est très important ça. Dans le Discord, hein, qui sera lui aussi en description. Bon, il a beaucoup de vie quand même le petit chenipan là. Mon pote. La belle. Et bon, il a que ça, il manque comme attaque. Ça ne fait pas de dégâts, moi je m'en fous, je récupère ma vie en attendant. Ah non, ça c'est méchant ça. On va le dire. Et pour ceux qui se posaient d'ailleurs la question de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, du coup de nouvelles vidéos depuis plusieurs jours, pas mal de temps. Bien c'est simple, c'est que j'étais malheureusement malade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. J'étais malade et puis bon, j'ai touché beaucoup de... C'était pas ouf pour la vidéo. Alors du coup, il y a peu de vidéos, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire des jeux que vous voulez qu'on fasse. Je sais pas, des trucs. Je suis tout ouf. Alors dites-moi si ça vous a, si ça vous tenterait des vidéos, peut-être Mario Kart hein, ou une aventure Minecraft. Hein. Je pensais la faire l'aventure, mais vu que là on est en let's play Pokémon, je me suis dit on va pas faire autre chose en m'habitant quoi. Déjà qu'on a aussi le let's play Pokémon à terminer. Là, normalement, bientôt, je sais pas quand, soit à Noël, soit en mars. Je sais pas, je verrai bien, mais bref, je vais m'acheter la caméra PS5. La même caméra pour montrer son visage. Bon, bien évidemment, je ne montrerai pas mon visage, hein, vous attendez pas un magnifique face reveal, non, il n'y aura pas. Par contre, du coup, si j'achète ça, c'est qu'il y aura quelque chose. Et bien, c'est simple, c'est que je vais m'acheter aussi un masque. Un petit masque spécial
vous verrez bien. Et du coup, ça on verra pas mon visage, mais du coup, ça sera stylé. Donc voilà. D'ailleurs, moi je vous le dis, si on atteint le 1 million d'abonnés, c'est face reveal obligatoire. Si vous voulez voir un jour, va falloir atteindre 1 million d'abonnés. Ça va être long. Partagez à vos potes la chaîne, histoire de s'abonner, même si on regarde pas les vidéos, c'est pas grave. Parce que ce qui fait que si personne ne regarde pas les vidéos, même si elle regarde pas, si elle est abonnée, ça vous fait de quelque sorte une pub quoi. Que celui qui a plus d'abonnés, bah ses vidéos vont plus être mis en avant. Et likez surtout, likez. Pour mettre mes vidéos en avant. Faut likez. J'ai vu, on est 161 quand même, c'est déjà incroyable. 161 personnes qui m'en regardent. Oulala. J'ai donné un coup à ma caméra là. Elle a pas kiffé ça. Oulala. Va falloir mettre un petit montage sur le pendant la vidéo pour arranger le problème de cam parce que du coup le placement il va être différent. Ah le combat il est long quand même. 6 minutes de vidéo, c'était juste un combat. Ça montre à quel point le let's play va être long. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, voilà. Ce que vous en pensez justement du montage justement des vidéos Roblox. Parce que du coup, vous attendez évidemment pas à ce qu'il y ait un montage comme ça sur des vidéos PS5, mais par contre, sur les vidéos où je ferai comme là par exemple, mais bon, là il n'y aura pas vraiment de montage vu que c'est un let's play. Mais sur les vidéos telles que les vidéos Roblox, bah, il y aura du montage, tu vois. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du montage. Que personnellement j'adore. Qu'est-ce qu'il dit? T'as un Pokémon rare pour moi? Rien d'ici. Allez, si, bah oui, y'a rien. Bravo, Watson, t'as trouvé la réponse. Ça, je t'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin. Non. J'aime beaucoup ça. Ce Pokémon. C'est qui ça? Ah, c'est un team rouge là, le truc. Team Magma. Je t'avais entendu une embuscade à la sortie du bois, mais comme tu prends ton temps, je m'ennuie. Ouais, quand même. Ras-le-bol d'attendre. Alors, me voilà. Toi, le scientifique de Devon. Donne ses papiers. Ah. Toi, tu es dresseur de Pokémon. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Non. Oui. Tu penses faire comment? Tu penses faire quoi? Comment tu veux de te défendre? Oh, désolé. La team Magma n'a jamais pitié pour ses ennemis, pas même pour un enfant. Viens te battre. Wow. Il t'envoie ton team et Linda. Le dire, comme vous pouvez l'entendre avec tout ce, je suis malheureusement encore un petit peu malade. Donc voilà. Bah, vol vient.
Bah tiens, on va faire un mini sondage dans la vidéo, en commentaire. Dites-moi si vous êtes malade, et si vous êtes malade, bah dites-nous, qu'avez-vous donc? Personnellement, moi j'ai juste une petite grippe, tu vois, un truc simple que t'as généralement. Il y a pas une touche là pour voir les attaques là. Donc ce Pokémon est plus gros que moi, mais il réussit à éviter un vif attaque. D'accord. Non mais pourquoi pas, hein. Ah, c'est pas un vif attaque ce monsieur, c'est une vive claque là. Des plaques comme ça. On va terminer avec Crafas. Non mais c'est bon, t'es quoi? Ah, c'est la précision qui casse les couilles. Tiens, les Crafas, je m'en fous. Là, faudra que je regarde combien de temps le jeu prend pour être terminé. Mais en moyenne, je crois que ça prend 30-40 heures. Un jeu Pokémon va être terminé. Il me semble. Hein. D'ailleurs, petite info qui pourra d'ailleurs vous servir, vous allez l'adorer. C'est que, bon, bah, vous en doutez, je ne possède pas sous ma. Attendez, on va lire avant. J'ai eu le culot de t'opposer à la Team Magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin non, pas maintenant. Quand j'aurai de nouveaux Pokémon, ah, attends juste un peu. Et de toute façon, nous, la Team Magma, on a quelque chose à faire à Merville. Ah bon? Ça va pas. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Je te laisse filer, c'est moi qui te laisse filer là. Ouf, il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses papiers d'une grande importance. Tu mérites bien une petite quelque chose pour ce que tu viens de faire là. Tiens. Oh, ça va, j'aime la récupérer en soi. Yoka obtient un multi-XP. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un multi-XP. Ouais, j'ai bien compris. Un outil d'une précision imbattable dont seuls les plus grands scientifiques peuvent rêver. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui l'ai inventé, hein, tu avais compris? Bah non, non, franchement, j'avais pas compris, non. Juste pour être sûr. Il suffit de l'activer et tous les Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. Ah, mais ça, c'est génial, ça. En plus de ceci, laisse-moi te montrer ce que la science peut faire de nos jours. Montre-moi tes Pokémon. Il va les soigner? Votre équipe a été soignée. Ah, bah oui. Bah oui. Au fait, cette brute de la Team Magma a dit qu'il avait quelque chose à faire à Merouville. Vite, je n'ai pas le temps à perdre. Je dois y retourner. Okay. Du coup, je disais quoi? Ouais, voilà. Que bien évidemment, ce que vous allez aimer, c'est que on va acheter. En fait, je vais acheter le PS Plus de la PS5. Donc, ce qui signifie qu'il y aura plus de vidéos, à mon avis, pendant que je vais le prendre pendant un an. Pas non plus un an, hein, à mon avis, quand j'aurai terminé. Tous les jeux que je vais faire là, il y aura plus vraiment au début de vidéos sur des jeux tels que Overwatch ou autre. Ok, Fizz ou d'autres trucs. Il y aura plus de vidéos comme ça, tout simplement pour la bonne raison que. Je vais essayer déjà de terminer tous les jeux que je veux faire, toute l'histoire. Donc il y aura beaucoup de let's play, beaucoup, bien évidemment on fera pas plusieurs let's play en même temps, mais il y aura beaucoup de let's play pendant cette magnifique année. Donc je pense que ça va être l'année où je gagnerai beaucoup d'abonnés à mon avis. Et donc je verrai quel jeu on commencera, mais du coup il y aura beaucoup de let's play. Et du coup, après, dès qu'on aura fini ça, bah, il y aura du GTA. Et ouais, bah, du coup, il y aura le GTA Online, qui est gratuit, mais sans le PS, ça sert à rien. Et du coup, là, c'est bon. Du coup, il y aura beaucoup de trucs nouveaux. Donc, franchement, il faudra s'abonner en masse.
Et bien évidemment, il y aura aussi deux let's play sur des jeux que j'attendais d'ailleurs d'avoir beaucoup. Un qui devait être fait avant, mais il y a eu quelques problèmes. Voilà, il y en a un que je pense que vous attendez pour ceux qui ont vu le let's play il y a longtemps. C'était The Last of Us. Et ben là, on va faire bientôt le The Last of Us partie 2. Donc, ça, c'est ce que j'attends avec très grande impatience de l'acheter. Parce que franchement, il est légendaire ce jeu. Et sûrement mon jeu préféré. Des jeux plutôt récents. Parce que les vieux jeux, j'ai mon préféré qui dépasse tout jeu. Alors dites-moi en commentaire pour vous, c'est quoi d'ailleurs votre Mario Kart préféré? Personnellement, c'est Mario Kart Double Dash sur GameCube, qui est franchement légendaire. Je jouais à deux, tu pouvais avoir ton pote qui est derrière, et toi tu conduisais, c'était incroyable. Aujourd'hui, on a un jeu plutôt classique, tu me diras. En fait, ce que je trouve qui manque au Mario Kart, c'est que du coup, il se distingue plus trop. Parce qu'entre le, par exemple, je te montre, hein, entre le 7 et le 8, bah, à part la qualité graphique, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change vraiment. Tu vas me dire, oui, mais il y a aussi les personnages qu'on peut jouer, il y a aussi les voitures, il y a peut-être 2-3 nouveaux terrains, mais à part ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau? C'est comme Fortnite, le jeu change pas. Pas vraiment, le concept est toujours le même, hein, construire, combattre, battle royale, je connais. Mais il évolue beaucoup, tu vois, au fil des saisons. Et en plus, c'est une histoire. Et il change beaucoup le décor. Et ça, c'est cool, ça c'est vraiment bien. Mario Kart, s'il faisait ça, il changeait totalement toutes les courses à chaque fois, à chaque nouveau jeu. Les courses, tous les véhicules. Et pas les persos du coup, mais ça serait incroyable d'avoir un nouveau truc. Déjà ça serait bien. Mais si on prend l'exemple par exemple de Mario Kart 8 et Mario Kart Double Dash, il y a beaucoup de différences là. Déjà les terrains, il y en a 2-3 qui se reconnaissent. Mais sinon, c'est la même. Hein. À peu près, hein. Mais si on regarde surtout l'autre chose, c'est les persos. Les véhicules sont pas du tout les mêmes. Et surtout la possibilité d'être à deux dans le même véhicule. Ça, par exemple, c'est une nouveauté. Même s'ils faisaient une nouveauté comme ça, une petite nouveauté comme ça, à chaque nouveau jeu, franchement, ça serait parfait. Ça serait cool. Et tu changes grandement les trucs, mais ce sera parfait. Parce que, à part la qualité graphique, du coup, bah, il n'y a pas de nouveau truc exceptionnel. Fait que ça te pousse à acheter, c'est comme FIFA par exemple. Moi j'ai pas vraiment acheté tous les FIFA, moi je vous le dis, hein, j'ai acheté quoi, FIFA 19, je crois, sur Switch. Puis j'ai déjà joué au FIFA 22 et FIFA 17, il me semble. Mais franchement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de grande chose non plus incroyable. Il y a les nouveautés, fameuses nouveautés de du fait que par exemple il y a. Il y a les joueurs qui changent leur. Qui ont plus du tout les mêmes niveaux. Il y a de nouveaux joueurs. Ça, c'est logique, hein, parce qu'ils prennent par rapport à la vraie vie. Mais si on regarde à part ça. Bon, là, je vais pas dire le concept, c'est la même. C'est logique, c'est du foot. Tu vas pas me ramener des techniques spéciales à Inazuma. Hein. Mais. Je trouve qu'il n'y a pas de trucs vraiment supplémentaires à faire. Genre, t'as quoi? T'as le match en ligne, t'as ta carrière. Il me semble aussi que je sais pas si c'est pareil sur les autres, mais FIFA 19 par exemple, c'est la carrière où tu joues avec un seul joueur. Déjà, ça c'était cool. Il y avait, tu pouvais jouer du coup avec plusieurs manettes, tu jouais, tu combattais et tout. Bref, la base. Et quoi d'autre? Il y avait ça. Tu pouvais acheter des joueurs, c'est tout. Et après, il me semble qu'il y avait des mini-jeux, ouais, des petits trucs débiles d'entraînement simple. Il n'y avait pas de trucs vraiment exceptionnels, nouveaux.
À part la qualité graphique, bon, Switch, la différence de graphique, faut y aller au scalpel, à la loupe, pour voir la différence. Mais franchement, je vois pas l'utilité, quoi, de racheter un FIFA. Je crois que ça va 29, enfin, 29, 19. C'est la même. Tout à fait la même. Franchement, c'est décevant. Après, ça fait son taf si les gens achètent. C'est bon. Je dis pas que c'est mal de garder le même. Si ça marche, pourquoi changer, effectivement. Ça, c'est une chose que tu peux pas changer. Hein. Si ça marche, bon, bah, pourquoi changer? Pourquoi se casser les couilles à changer, à essayer de faire autre chose, si ça marche? Voilà, mais quand ça marchera plus, je trouve que là, je pense qu'ils comprendront qu'il faut essayer de faire d'autres choses. Personnellement, c'est mon avis. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Putain, c'est une vidéo où on parle de jeux vidéo, où on parle de trucs... où on parle du jeu, où on parle de Pokémon, en fait. Alors, franchement, là, c'est même plus un display, c'est juste on parle de... Tu vois, bon, après, je vous dirai, c'est parce qu'on va pas parler de beaucoup de jeux. Parce que, tu vois, là, par exemple, Pokémon, c'est ça que je trouve un petit peu chiant. C'est qu'à parler les trucs pendant qu'ils parlent. Et pendant que je joue, par exemple, là... Je vais pas dire hardcore utilise, sans pas les couilles. Je vais pas dire bon bah je vais utiliser telle attaque. Tu peux le faire, mais c'est il n'y a pas assez de choses, tu vois, tu parles pas assez. Tu vois, je parle. Ça t'occupe, tu vois. Alors que si je parlais juste de ce que je fais actuellement sur le jeu, franchement c'est pas foufou. Hein. Et surtout je suis seul. Les sports du choix ou quoi. Merde, j'ai oublié Volvi, non s'il te plaît, survie. Rugissement, fais ton rugissement, ouais. J'ai pas vu, j'ai plus de vie. J'ai vraiment pas vu tout ça. J'ai même pas vu, j'avais plus de vie. D'ailleurs, bah du coup, parlons-en. Fortnite. Parlons-en. Malheureusement, c'est ce qui va peut-être vous faire pleurer, peut-être, qui sait. Mais je pense, en toute sincérité, que c'est fini. Il est fini. Je l'ai enlevé de ma Play, je l'ai enlevé de ma Switch. Je ne le possède plus. Je trouve franchement que le jeu... il est bien, hein. Je dis pas le... J'avais même... Justement, j'avais favorisé le fait que le jeu évolue beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés. Ce que je trouvais comme point positif. Mais... Désolé. Voilà, je suis décédé en 12 secondes. Là, tu regardes la vidéo, tu fais putain, il est en train de mourir, c'est la fin. Non, je te rassure, je suis vivant. Du coup, j'ai bien toussé là. Good to sleep, comme on dit. Du coup. Attends, qu'est-ce qui m'a rajouté? Ok. Fortnite? J'avais plutôt favorisé, j'avais dit qu'il y avait de nouveaux trucs, c'était cool. C'était bien. Mais le problème, c'est ça en fait, je pense, qui a fait tenir le jeu. C'est qu'on se lassait pas. Même si c'était le même concept, c'était du Battle Royale et... Puis voilà quoi. Battle Royale et tout, tu connais. ça changeait pas beaucoup. Enfin si, il y avait quand même pas mal de nouveautés. C'est vraiment ça qui était bien. Mais, je trouve qu'en fait, après ces 4 ans passés dans le jeu, à jouer, toutes ces nouveautés, je pense en fait, concrètement,
que ce qu'il faisait avant. C'était magnifique, c'était du grand art. Mais qu'on s'en, qu'on se lasse maintenant. Tu vois, c'est bien qu'il y a une nouveauté, mais le problème c'est que je peux pas m'en les en vouloir parce que du coup, bon, bah, à l'époque ils travaillaient, il n'y avait pas de pause quoi. Et là, du coup, ils ont commencé à arrêter, à faire ça, hein, de prendre des pauses, pas travailler autant. Et du coup, forcément, il y a moins de trucs, et c'est logique. Et on peut pas les en vouloir. Mais ça fait qu'il n'y a pas de nouvel événement, enfin d'événement comme la petite d'envoi à chaque saison. Sauf que là maintenant c'est une toutes les deux saisons, un événement toutes les deux saisons. Et on se lasse un peu. C'est bien hein, de faire des partenariats avec Dragon Ball par exemple, ça j'ai acheté le skin. Je vais pas te mentir. Mais je trouve que le point fort de Fortnite. Bon, en fait, c'est devenu un petit peu son problème. En fait, un petit peu. Au début, c'était une très bonne idée, ça marchait très bien, c'était bien. Mais c'est devenu un peu son point faible. Tu vois, a trop changé. Bah, nous, après, on se dit putain, c'était mieux avant. Tu vois, c'était bien avant. Du coup, c'est chiant. Ça devient un peu lassant. Et donc, franchement, je pense que je vais peut-être le remettre, hein, mais pour faire 2-3 vidéos, des fois, pas tout le temps, rarement, il y a moyen, je vais voir. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai plus trop de place sur ma play en ce moment. On termine le let's play Final Fantasy. On n'a pas terminé. Et quand il sera terminé, bon, bah, je l'enlèverai. Et vu qu'il prend 80 Go, je pourrai remettre Fortnite. Parce qu'à la place de Fortnite, j'ai mis Rocket League, qui sur Twitch marche très bien. D'ailleurs, hein, j'ai atteint rapidement des 50 followers sur Twitch grâce à Rocket League. Et donc, voilà. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Bon, c'est long là, c'est bon tous les combats qu'on fait là? Même pas regarder l'heure là. Je pense que la vidéo on va l'arrêter vers 40 minutes, ouais. Moi qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. Juste si ça reste de merde là, donc ça va, j'ai bien fait de faire ça. Regardez, méga sensu. Et enfin, on va l'électriser. Ah non, il utilise lui. Pas très efficace, ça c'est cool. Coup éclair, et là ça va normalement le paralyser. Non? Bon. Méga sensu, tu utilises là, et lui. Éclair sur lui. Continue de t'énerver, continue, moi je te frappe, regarde. M'en fous, croix éclair. Et voilà, maintenant on peut le tuer. Là, il utilise une attaque qui va. Ouh là 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 là, mais qui voit l'âge. Il va falloir se calmer un minimum là.
Les gars sans su là. Ah bah il meurt. Niveau 14. Niveau 7. Et voilà, regarde ces deux petits Pikachu là. Maintenant vous savez pourquoi je voulais pas faire de vidéo. Pourquoi j'ai pas fait d'ailleurs de vidéo. Pendant un petit temps, c'est parce que du coup, comme vous avez pu en vous en rendre compte actuellement, alors que je suis encore un petit peu malade, comme je l'ai dit. Je ne suis pas malade, hein, un peu malade. Mais je suis encore un petit peu malade. Et tu vois quand même déjà comment je tousse malgré tout. Donc c'est pour ça. Allez, en plus avant, littéralement toutes les 10 secondes, je lâchais un de ces tousses. Je toussais. Donc bah là j'ai arrangé ce problème. Enfin, je prends des médocs comme on dit. Mais bon, ça marche pas ouf. Ah j'ai même pas lu. Je vais se rassembler un peu plus de Pokémon et ensuite je tendrai ma chance moi aussi. Bon, moi je tente tout de suite. En attendant bonne route. Ouais bonne route ouais. Rentre chez ta mère toi. Bon déjà on va aller là. Alors, je pense qu'on va arrêter la vidéo juste après l'arène. On soigne nos Pokémon, on va acheter des trucs et. Et puis je pense qu'on pourra arrêter là. Vendre déjà. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Maintenant, on m'achète. Potion, Pokéball. Tu donnes pas beaucoup de choses. Hein. Oui, je suis à 14. Voilà, on est bien là. Du coup, c'est quelle arène? La route championne Roxane. Roxane. T'y proche. Je vais la niquer, sa daronne. C'est toi? Bonjour, j'imagine que tu viens tenter ta chance. Je m'appelle Roxane, oui, c'est elle. Je suis la championne d'arène de Merwild. Pour me hisser à ce niveau, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris à l'école des dresseurs Pokémon. Quelle école tu me parles, moi? J'ai pas besoin d'école pour te battre. Si tu parviens à me battre, je te remettrai un badge qui prouvera ta valeur en tant que dresseur. Moi, j'ai pas besoin de valeur. De prouver quoi que ce soit, je te nique ta mère et je rentre chez moi. J'espère que ta réponse sera positive. Je suis impatient de t'affronter. Mes respects. Mes respects, à tes souhaits, nique ta mère. Allez, c'est parti. Du coup, vu que ça va donner des niveaux à mes Pokémon, on va les prendre tous. Oula, la caméra elle bouge. Ça frétille. Ali, le gamin quand même. Hein. On faisait la... Oh, le gamin, c'est un gamin. Bon, assez rigolé.
Méga sensualité. Non, je déconne, on va se calmer. Méga sensu. Ah, j'ai pratiquement one shot. Ah, il améliore sa défense. Ça, c'est utile. D'ailleurs, si t'es assez connaisseur que moi, tu sais ce qu'il fait à chaque fois. Grâce aux attaques qu'il fait. Tu sais ce qu'il... Qu'est-ce qu'il va faire. Et tu sais si ça va te faire beaucoup de dégâts ou non. Si tu sors une attaque que tu connais pas, frérot, ça veut dire qu'il va te niquer ta daronne. Par exemple. Si il te sort une technique que tu sais qui fait mal, s'il va pas te one-shot, ben il va te faire mal. Ensuite, selon à quoi ressemble l'attaque, comme là il s'est transformé en espèce de boule, ben là tu doutes qu'il va faire un truc pour se défendre. Ça va augmenter sa défense ou quoi. Je fais méga sensu juste parce que ça avait des dégâts en fait, je m'en fous de la vie récupérée. Là pour les dégâts, pour la vie, pour tout ça. Bah nickel frérot. Ah bah tu vois là par exemple y a rien à dire. Et du coup bah c'est assez silencieux quoi. Là ce moment de la vidéo est super silencieux en fait. Faudrait qu'il y ait un Pokémon qui évolue là s'il te plaît. Juste pour que ça donne un truc à dire. En mode ouais incroyable. Non nique ta mère. Nique ta mère. Concrètement, tu peux ne pas du tout affronter ces petits mecs là en fait, parce qu'il suffit de passer et tout, et c'est bon. Ils ont résolu ce problème, il me semble, dans l'épée et bouclier. En faisant, bah, obligatoirement, t'es obligé d'en combattre en fait, t'es obligé de même de tous les combattre. Donc t'as même pas à chercher à essayer de s'esquiver ou essayer tout simplement de chercher à aller exprès les voir, bah, ils vont t'attaquer au coup qu'ils arrivent. Donc, ils arrivent en bande, comme ça. Il pique ta mère, il part. Facile franchement les arènes, je trouve que les anciens jeux et de celui-là, ils sont bien, hein. Je dis pas c'est les meilleurs. Mais je trouve la difficulté justement un petit peu partie. Pour l'instant c'est le premier, donc je dis peut-être de la merde. Pour l'instant c'est plutôt facile. Et c'est ça que je trouve chiant en fait, parce que ça... Tu prends ta première arène trop rapidement. Non, je déconne, on a fait déjà 3 vidéos, je crois, 2-3 vidéos de 40 minutes, donc ouais, non, ça va. Je dis de la merde. Salam alaikum. J'étais sûr que ton équipe et toi parviendraient jusque moi. Bah, sans blague. Serais-tu de me montrer comme tu te bats et avec quel Pokémon? Bon, t'inquiète pas, je vais pas te montrer, je vais te démolir pour te présenter. Alors, Roxane, la championne, veut se battre. Alors, comment tu te bats toi? Rakayou, niveau 12, comme c'est bizarre ça. One shot. Non, moi je le dis, one shot. Ah non, t'as de la chance, t'as un tout petit peu de... Ah, la fermeté, c'est chill ça. Ça veut dire que là il a un PV, que n'importe quelle attaque le one shot.
Cette attaque fait du mal, donc je ne vais pas utiliser méga sensu, mais vol vie. Je récupère un tout petit peu de vie sans trop utiliser mon méga vol vie. J'ai rien dit, je vais niquer sa mère. Ah bah wesh. Il est pas toute sa vie là. Pardon, j'avais pas capté, là je l'ai one shot. Je pensais juste le terminer et récupérer un peu de vie quoi. J'ai pas besoin de changer. Tarinor. Voilà là, hein. On le va ne jette pas, hein. Mais on met un peu de dégâts. Méga vol vie pour terminer. Et voilà les gars, on l'a tué. Et la vidéo fait très mal au niveau de la place qu'il va prendre dans mon tel. Bon, 40 minutes, ça prend 4-5 JO. L'espace de stockage. Et après en plus, et ça c'est le pire, hein. C'est que du coup je vais devoir faire vite fait le petit montage pour arranger le truc. Sauf que du coup après faut re-télécharger cette vidéo qui aura été montée un tout petit peu. Et du coup ça va prendre le double. Donc je devrais toujours avoir dans mon téléphone au moins plus de 10 GO à peu près d'espace de stockage libre. Tout simplement pour éviter qu'il reste de la place, tu vois. Un minimum. Et il faut toujours qu'il y ait au moins 5 GO pour être sûr que le téléphone tourne un minimum. Le badge de roche permet aux Pokémon d'utiliser le CS Coupe en dehors des combats. Avec lui, les Pokémon de niveau 20 ou inférieur que l'on te confie t'obéiront au doigt et à l'ongle. Et enfin... J'ai pensé que ceci pourrait être aussi être utile. Ton broche, c'est quoi? Ton broche provoque un éboulement qui inflige des dégâts à l'adversaire en effet. On affecte sa vitesse. Ok, le CT permet de enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Elle peut être réutilisée autant qu'on veut, alors n'hésite pas à t'en servir. Hop là. Oh, il veut quoi lui? Ah non. Dégagez de mon chemin. Wow. Au voleur, au voleur. Rendez-moi ce pack. Ce pack de skin Fortnite, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Non, t'es con. Bon, c'est ici qu'on s'arrête, les gars. Dans cette vidéo qui aura été beaucoup de parlotte. Donc voilà, oui. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter, partager. Allez dans la description pour vous abonner à mon Twitch, Instagram, Twitter et rejoindre le Discord. Vous connaissez tout le reste. Donc, cool. Hein. Donc sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, bah ciao.